Yo les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. On se retrouve pour ce samedi matin pour le pack opening gratuit, le petit rituel du week-end. On veut commencer avec de la légendaire, donc on a un coffre à couronne à ouvrir, un petit coffre en or et on a surtout deux coffres magiques. Moi je pense qu'il y a une carte légendaire, ouais, une bonne petite légendaire, un électro-sorcier caché dedans. Ça ferait plutôt plaisir, ou une voleuse, je pense que ça ferait carrément plaisir les amis. Donc si vous kiffez ce genre de pack opening du samedi matin, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, c'est très important. En général la vidéo fonctionne super bien, donc voilà, vraiment, faites péter le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche à côté, c'est super important les amis. Et je pense qu'on va commencer l'opening direct. Alors, c'est parti, du coup on a un petit coffre gratos, un sorcier, ouais du gobelin, bon on commence doucement doucement. Alors, un petit peu d'or, du gemme, ok. Le chevalier, il est max. Et la mousquetaire, pff, il en manque encore beaucoup pour l'avoir level max. Alors, on va prendre le petit coffre en or qui est là. 253 pièces d'or, un canon, ok. Du gobelin sarbacane, du bombardier. Et une petite épique, c'est pas mal. C'est un petit sort de poison. Je joue pas forcément le poison, mais ça fait plaisir d'avoir une épique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se les ouvrir, de toute façon. On va tous se les ouvrir. On va se prendre le coffre à couronne. Je pense que c'est pas mal. Je le sens bien, j'ai déjà eu pas mal de légendaires dedans les amis, donc croisez les doigts pour moi. Allez, 630 pièces d'or. De la boule de feu, intéressant. L'esprit de glace, on prend de l'or. Oh, un foudre, il est bon ce coffre. Il est bon ce... Oh putain, oh my god, oh my god. Oh mon dieu, oh my god, en live. Le bûcheron qui a été boosté. Oh les amis, j'étais pas prêt, je me suis dit, je vais faire un pack opening gratuit, je croise les doigts qu'il y ait du lourd. Oh là 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 là, non mais c'est pas possible. Putain, je crois que c'est la... Putain, c'est... Ouais, c'est peut-être la deuxième fois, je crois, ou putain, je sais même plus, que je débloque une légendaire dans un coffre gratos, mais vraiment le coffre, coffre à couronne, coffre en bois, des coffres un peu merdiques. Oh là là, c'est énorme, énorme. Les amis, j'espère que je vous ai pas pété les oreilles, mais c'est trop un truc de fou, la chance que j'ai en ce moment. Regardez-moi ce coffre, il est ouf. Déjà, j'ai de la boule de feu, c'est la rare que je préfère. J'ai le foudre, c'est une épique, c'est énorme dans un coffre à couronne déjà. Et j'ai une légendaire. Franchement, les potes, je suis tellement refait. Putain, c'est un truc de fou. Oh, quel bonheur. Les amis, si on pouvait se faire un double opening légendaire dans des coffres gratos... Ce serait vraiment un truc de fou. Alors, on est parti sur un premier magique. Alors, 823 pièces d'or, ok. Alors, clairement, il faut qu'on ait à peu près 70 communes, je crois. Donc là, on en a eu 30. Allez, on en a eu 60 et je crois qu'il en reste encore. Ok, on a eu toutes les communes. C'est déjà pas mal. C'est une centaine de communes, en fait. Donc là, il nous reste rare, épique et éventuellement légendaire. Donc, pour qu'on ait une légendaire là, il faut tout simplement qu'on ait les 25 rares d'un coup. Et ce sera pas le cas, malheureusement. Voilà, il reste de la rare. La méga gargouille, c'est une bonne carte aussi. Du coup, là, on va voir, malheureusement, les épiques. Et on a du baril. Le petit baril de gobelin, c'est plutôt pas mal. Ou le fût, plutôt. C'est plutôt une bonne épique. Hein. Moi, je suis pas loin du level 7. Il m'en manque 14. Donc, pas mal. On va pas râler. Il n'y a pas de légendaire, certes. Mais c'est un bon petit coffre. Allez, on se gemme le deuxième. Allez, cette fois, il faut du lourd. Alors, on commence par une rare. Une rare 24 communes. Ah là, ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon, putain. Eh ouais, c'est mort. Là, il nous reste des communes. Et du coup, les épiques. On va avoir du clonage. Waouh, celui-là, il est tout pourri de coffre, par contre. Oh, la déception de fou furieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se gémer sur... Ouais, tant qu'on y est, on gemme tout. Hein. Les potes, on y va. Alors, 210 pièces d'or, 11 Tesla. 25 mortiers, ok. De la cabane de gob et putain, on aurait été heureux quand même en termes de coffre, de cartes épiques, là, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a le 2 contre 2 qui fait son retour, qui est chaud pour un 2-2. VS2 en vidéo, on va leur demander un petit peu. On va lancer du coup le combat de clan. Alors, c'est fun à fond, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top, ces petits combats. Allez, c'est parti, là on tombe du coup, alors je suis avec le poteau Flex, mon super pote Flexou, donc avec lui normalement on doit être chaud bouillant. Alors on va tenter de poser l'extracteur en main de départ, encore faut-il qu'il n'y ait pas de roquette, poison, aïe, oh ça envoie bélier, gang de gobelins en face. Alors l'électro-sorcier, ok, bon on va plutôt bien le défendre du coup, la cabane de barbare, c'est plutôt intéressant. Il y a un deck qui tourne en ce moment avec la cabane de barbare du coup...
Eh, c'est pas mal. Par contre, du coup, la cabane de Barbara, elle s'est fait défoncer. Donc, autant on est content de la voir, autant quand même ça coûte cher à la défense. Alors, en tout cas, l'extracteur est pas contesté. C'est plutôt cool. Là, ça aurait été pas mal de mettre un golem. C'est un peu dommage. Ouh, ça joue ballon Valkyrie à droite. Aïe, 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 aïe. Alors là, ouais. Ouais. J'ai foudré plus boule de feu. Là, c'est pareil. J'ai l'impression. Autant c'est bien défendu, autant j'ai l'impression que ça nous coûte un petit peu cher quand même pour se défendre pour l'instant. Alors, on n'a pas encore touché leur tour. On a un deuxième extracteur de posée. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire, les potes. Alors, la fournaise, elle est bien placée. Putain, ouais. Chaud. Alors, pour l'instant... Ah, on gaspille la bûche. Ah, l'erreur de fou, putain, l'erreur. Et à gauche, ça envoie un combo. Oh, ils jouent bien, eux. Galilo et GB. Là, ça joue clairement bien. Putain, dommage. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est plus simple de savoir en vocal en même temps qu'on joue, en fait. Parce que du coup, sans parler au coéquipier, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il a placé son cimetière peut-être un petit peu trop en avant. Et on manquait un petit peu de tank. Mais bon, mine de rien, on met quand même pas mal de dégâts. Pour l'instant, on est quasiment revenu à égalité. Allez, mon flex, on peut le faire, mon pote. Surtout qu'on a un extracteur et demi de posée, les amis, comparé à eux. Donc, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop mal. Allez, on peut le faire. Alors là, on va mettre une petite... ouais, l'électro ou une bûche, ça pourrait presque suffire. Ok. Pour l'instant, pas mal. Il reste moins d'une minute en double d'élixir. Allez. Allez, les esprits de feu, ils pètent les gargouilles, ok. On envoie, alors, la cabane de barbares posée à droite, il y a du golem, on est pas mal. Là, franchement, on est pas mal. On a fait une petite erreur de double bûche qui fait chier, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Parce que là, il a le ballon, la chance qu'on a, c'est qu'il a le ballon, vous voyez, avant le molos. Donc le molos ne tanque pas le ballon, ça c'est clairement, c'est la chance qu'on a, parce que si c'était le contraire, là, croyez-moi que le molos, enfin le ballon derrière, vous ne le touchez plus, parce que le molos, il a 12 milliards de points de vie. Oh, là, à droite, on est pas mal. Alors, il n'y a plus que les golemites. Allez, les golemites, allez péter sur la tour. Allez, il reste 15 secondes, faut qu'on tienne, putain, 121 points de vie, au pire. On pourra mettre un foudre, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin, ok, à droite, c'est bon. Il reste 5 secondes, ok. Ça troll avec le cimetière à gauche, nickel, le duo Gael de Toulon, Flex, ça marche, ça fait plaisir. Flex, c'est mon grand pote. Voilà, c'est un très gros donateur pendant mes lives, merci à lui. En tout cas, les amis, si vous kiffez le 2 contre 2, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus sous la vidéo, vraiment, c'est important. Et on est reparti aussitôt en game, on est contre le poteau Nevo. Lui aussi, il adore mes lives, très gros donateur également, du coup, je suis à fond avec mon clan. Alors, là, ok, alors ça joue mineur Gobelin Sarbacane, c'est plutôt des decks de grattage, ça. Alors, bourreau, j'ai comme l'impression qu'il doit y avoir une tornade qui est pas très loin du bourreau, hein, à mon avis. Alors là, on peut jouer un golem, on va dire, quasi assez offensif. Du coup, alors ça joue mortier, ok. Ok. Alors, on est pas mal. Là, franchement, on n'est pas trop mal. Et le petit bûcheron, depuis que le petit équilibrage a eu lieu, le bûcheron, franchement, il est costaud. Il est costaud, ce petit bûcheron. Il rush à 2000, il est un petit peu plus costaud qu'avant. On est pas mal. Alors là, le golem, il lui reste plus beaucoup de points de vie. Mais. Putain, on est bien. Allez, faut que l'électro-sorcier... Ah, l'électro, il s'est pris. Putain, l'esprit de glace, dommage. C'est vraiment bien joué de sa part, parce que sinon, ils auraient pris cher. Vous voyez au passage qu'ils ont beaucoup de cartes pas chères. Hein. Ça sent bon, le deck de grattage, alors que nous, avec le golem, on a des cartes beaucoup plus chères, les amis. Allez, alors là, malheureusement, il y a une roquette qui va faire mal sur la gauche. À droite, le mineur, il a fait mal aussi. Putain, ouais, les extracteurs, là, pour le coup, ils n'ont pas été profitables. Alors là... Faut renvoyer du golem côté gauche où la tour a le moins de points de vie. Allez, Nevo, mon frérot, on peut... Oh, le misclic. Le misclic tout pourri. La tornade dans son camp. Putain, qui est blaireau. Alors, là, on va pouvoir placer un très bon foudre sur mortier. Gobla Sarbacane. Ok, là, on est pas mal. On est vraiment, vraiment pas mal. Ah, putain, il est chiant. Le chevalier, les amis, c'est très, très, très fort. Franchement, les potes, le chevalier, je sais pas si c'est pas la carte où il y a aucun youtubeur au monde qui a fait une vidéo dessus. Pourtant, elle est énorme, cette carte. Franchement, j'insiste pas beaucoup dessus, mais croyez-moi, ceux qui la jouent, ils ont tout compris, parce que franchement, elle est super cheatée. Alors, il reste moins d'une minute avec le poteau Nevo. Est-ce qu'on va faire la même qu'avec Flexune ou pas? Alors, pour l'instant, franchement, ça se passe. Ça se passe. Je trouve qu'il jette un peu sa tornade en l'air, là, parce que sur le bûcheron, là...
Bof, c'était pas hyper utile. Nous, on a le golem de poser. Le mortier devrait focus le golem. Alors là, c'est très important d'aller chercher la tour de droite. Parce que s'il commence à me prendre la tour de gauche avec la roquette, clairement, s'ils ont tous les deux la roquette, ils vont pouvoir nous la prendre 2-2. Donc il faut absolument aller chercher l'autre tour. Alors là, on est pas mal. Le golem, il a la moitié de sa vie. Il y a du bûcheron derrière qui va défoncer l'électro-sorcier. Ah, putain, il est chiant avec sa tornade, putain. Là, elle était bien jouée, par contre. Elle était vraiment bien jouée, là. Alors, pour l'instant, on a nos deux tours. Il reste 10 secondes, les amis. Faut faire gaffe à la roquette de la dernière chance. Ok. S'ils ont tous les deux la tornade, la roquette, on va perdre. Et c'est trop tard. Ok, c'est bon. C'est gagné. Putain, elle était compliquée, celle-là. Si le mec joue mieux la tornade, on gagne pas, les potes. S'il joue mieux la tornade, on gagne pas. Simplement parce que... Là, franchement, il nous donne la game un petit peu. Donc, les amis, je vais pas faire une vidéo plus longue. Si vous avez kiffé la partie, bien sûr, lâchez des pouces bleus. Si vous kiffez les vidéos comme ça, de pack opening qui finissent en légendaire, où on a vraiment de la chance, et après, les attaques en 2 contre 2, ça me fait très plaisir. Je vous fais des grosses bises à tous, et je vous souhaite un bon week-end. Bisous.